un cuello. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'aimerais avoir une précision de la Chambre parce que je ne comprends pas bien ce qui vient de se passer juste avant la pause. J'ai écouté Monsieur le procureur poser des questions sur le traitement des anciens fonctionnaires de la République khmère, puis finalement tenter de justifier ces questions par un rapport avec une purge, alors que ces questions traitent d'un sujet, enfin en tout cas d'un lieu qui est hors champ de ce procès. Je voudrais juste relire l'extrait du paragraphe de votre décision E301-9-1 du 4 avril 2014 qui justifie mon étonnement, ces trois lignes. Je cite, la chambre de première instance a donc inclus dans la portée du deuxième procès dans le dossier 002 la politique visant les anciens soldats et fonctionnaires de la République khmère, mais uniquement en ce qui concerne sa mise en œuvre dans les coopératives de Tramcop, dans le site du barrage du 1er janvier, dans le centre de sécurité S21 et celui de Krang Ta Chan. Fin de citation. Donc là, j'ai le sentiment, en écoutant la décision qui vient d'être rendue sur le banc, qu'en réalité, vous autorisez l'accusation à traiter dans ce procès le traitement des ex-fonctionnaires de la République mère sur la totalité des sites que nous traitons dans ce procès. Alors même que dans cette décision que je viens de citer, vous la limitiez expressément au site de Tramcop, barrage 1er janvier, S21 et Krang Ta Chan. Donc je voudrais savoir, M. le Président, si j'ai bien compris le sens de la décision que vous venez de rendre et s'il y a effectivement, à mon sens, ce qui constitue une extension du champ de ce procès. Parce que là, je trouve ça très étonnant comme décision. Bon, merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre brièvement, effectivement, il y a deux niveaux. Il y a la politique et la mise en œuvre. Nous avons toujours dit que pour pouvoir établir qu'une politique existait, il y avait deux moyens de le faire, soit partir du haut et donc des instructions qui sont données, soit partir du bas, c'est-à-dire de constater ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir établir une politique. Ceci dit, peu importe, parce que la question sur laquelle il y avait une objection, c'était justement une question qui là se rattachait à la différence qu'il y avait entre les cadres du Nord-Ouest et les cadres du Sud-Ouest après leur arrivée sur place dans le cadre des pluches. Donc je ne crois pas qu'il y ait lieu de lancer un grand débat maintenant. Ce débat. C'est juste un débat capital. Je voudrais juste préciser que votre chambre a déjà statué dans le premier procès sur l'existence de la politique pendant tout le régime. Et que c'est justement pendant tout le régime, et que c'est justement pour cette raison-là qu'elle a été retoquée par la Cour suprême. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il serait nécessaire de revenir là-dessus, alors que la décision a déjà été prise en termes d'existence de la politique. Merci, Monsieur le Président. Une courte intervention, je m'excuse auprès du bureau des co-procureurs pour leur grignoter du temps de parole. Il me semble clair à la lecture de l'annexe de votre décision, et je me réfère au document E301-9-1 qui liste les portions
de l'ordonnance de clôture qui saisit votre tribunal pour le dossier 2.2, que vous devrez, dans le cadre de ce jugement, décider d'une part de l'existence de la politique au niveau national, et je me réfère ici au paragraphe 178 à 204 qui saisissent votre chambre. Premièrement, l'existence de la politique au niveau national, et ensuite, les crimes commis dans la mise en œuvre de cette politique, et les crimes se limitent effectivement à certains sites, et pour les officiers de l'ONNOL et de l'ancienne République mère, vous avez Krataichang, Tramkok, le 1er janvier de mémoire, mais je n'ai pas le document sous les yeux. Donc nous partons du principe que vous aurez à vous prononcer sur l'existence de la politique, et vous avez été clair sur le fait que nous recommençons à zéro dans ce procès. Pour l'instant, l'appel étant en cours, nous recommençons à zéro l'existence d'une part et les crimes commis dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques, les exemples étant limités à ceux qui sont listés dans l'annexe qui, encore une fois, saisit votre chambre. Donc pour nous, il est tout à fait légitime que nous puissions poser des questions générales sur l'existence de ces cinq politiques dans la mesure où vous devrez vous prononcer sur cette existence dans le cadre de votre jugement. Dans le procès Et si je vous comprends bien, mon cher confrère, si en cours de procès numéro 2, une décision d'appel est rendue, à ce moment-là, nous arrêterons. Qu'est-ce que c'est que ce procès à tiroir? Vous trouvez ça clair? Sans vouloir entamer une discussion entre deux avocats, mais il me semble bien évidemment qu'à un moment, si l'arrêt devient définitif avec le prononcé de l'arrêt devant la Cour suprême, il y aura forcément des conséquences à tirer dans ce procès. Ça me paraît évident. La Cour suprême ayant à faire des constatations sur l'existence des politiques, en tout cas certaines d'entre elles, jusqu'en décembre 1977. អង្គមេផ្ដល់វិធានការជូនទៅចក្រមសំមកឡាវែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពីក្តីលោកក៏គឺសំផនលើបញ្ហាបាយមីនេះសូមចេញលោកចក្រមសំមកឡាវែង Oui, merci, Monsieur le Président. La Chambre n'entend pas apporter de longs commentaires en réponse à la question soulevée par Maître Verken. Elle a statué, il me semble qu'elle a statué clairement sur l'objection qui était soulevée. Elle invite Maître Verken et les avocats de la Défense en général à lire sa décision sur la décision de disjonction. Et je pense que tous les éclairages suffisants y seront. ក្នុងនោះមានការពន្យល់នោះវាក្បោះក្បាយលម្អិតអស់ហើយសូមឲ្យអានសេចក្តីសម្រេចនឹងឡើងវិញចុះ Merci monsieur le président je vais poursuivre mes questions បាទសូមអរគុណលោកប្រធាន ខ្ញុំ ឥឡូវ លោក សាក់សី ខ្ញុំ សូម បន្ត សំណួរ ទៀត qui comprennent à peu près 100 personnes quelle était la tranche d'âge des jeunes hommes qui composaient cette compagnie ក្មេងៗ ដែល ជា សមាជិក នៃ កង 100 ហ្នឹង មាន អាយុ ពី ប៉ុន្មាន ទៅ ប៉ុន្មាន ដែរ ពេល នោះ គាត់ ទាំងអស់ គ្នា នេះ គឺ ចាប់ ពី អាយុ
Vous avez dit que vous faisiez partie du bataillon 1 chargé de construire le pont numéro 1, entre autres, au barrage de Trapping-Tuma. Comment faisiez-vous rapport à votre chef de bataillon, Ta Kao? Et quel type d'instruction ou d'ordre receviez-vous de la part de votre chef de bataillon? Est-ce qu'il y avait des instructions qui portaient sur le travail, sur la discipline ou sur la politique? Et à votre connaissance, Takao et Tavon, donc le chef et chef adjoint du bataillon, à qui faisaient-ils eux-mêmes rapport? Est-ce qu'il y avait un échelon supérieur intermédiaire entre le bataillon et Taval, ou bien faisait-il rapport à Taval à votre connaissance? ខ្ញុំបានដឹងត្រឹមតែថ្នាក់កងធំរៀបការទៅវិរៈស្នាតូចហើយវិរៈស្នាតូចរៀបការឡើងទៅលើទៀតគឺខ្ញុំពុំបានដឹងទេ J'ai entendu, je crois, une erreur d'interprétation. On dit que la compagnie recevait les rapports du bataillon. Je crois que c'est l'inverse. Comme vous l'avez expliqué, la compagnie qui fait les rapports au bataillon. Vous avez dit dans vos deux procès-verbaux, dans votre procès-verbal et puis devant les personnes du centre de documentation du Cambodge, dans votre compagnie, il y avait également d'autres échelons. Vous allez me dire si je me trompe, il y avait trois petites unités d'environ 30 hommes, il y avait des groupes de 10 hommes, et puis il y avait des escouades de 3 hommes. Est-ce que c'est correct? អនុក្រមទៀតដែលមានអ្នកសមាជិកតែ 3នាក់ទេលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងជូនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតើលោកពិតជាបានយល់អញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណា បាទនៅពេលហ្នឹងគឺអង្គការរៀបចំលំអិតក្នុងមួយក្រុមគឺមាន 3 ពួកក្នុងមួយពួកមាន 3 នាក់ហើយក្នុងមួយកងក្នុង 3 កងតូចគឺមាន 1 កងធំ ក្នុង 3 កងធំគឺមាន 1 វិរៈសនាតូច Est-ce que vous aviez des responsabilités au niveau de du respect de la discipline des travailleurs de votre compagnie? បាទរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពបើយើងមិនគោរពតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការទេយើងក៏មានបញ្ហាដែរត្រូវទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអង្គការ
Est-ce que vous étiez chargé de faire rapport sur la discipline et la sécurité, l'identification d'éventuels ennemis au sein de la compagnie? Très bien, je vais revenir sur ces deux points tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait parmi les cadres de la brigade mobile du secteur 5 qui travaillait au chantier de construction du barrage de Trafinkman? Est-ce qu'il y avait des cadres qui appartenaient au peuple nouveau? Est-ce qu'il y avait des cadres qui appartenaient au peuple nouveau? Est-ce qu'il y avait des cadres qui appartenaient កម្មបាលចាស់ចាស់ដែលគេហៅដូចជាយើងតំបន់ដែលរំដោះ17មេសាហ្នឹងគឺគេហៅកម្មបាលចាស់ដូច្នេះគេឲ្យយើងធ្វើជាប្រធានឬក៏ប្រធានក្រុមប្រធានកង qui était d'après vos souvenirs, les différents chefs de district du secteur 5 de la zone nord-ouest qui avaient envoyé du personnel ou des travailleurs, des coopératives sur le site de construction du barrage de Trafinkman. Est-ce que vous vous souvenez des noms des différents chefs de district? បាទនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថានៅក្នុងស្រុកភូមិស្រុកថ្នាក់ស្រុកគឺឈ្មោះតាហាត់ហើយនៅស្រុកពនិតព្រះគឺឈ្មោះតាម៉ោងនៅស្រុកធ្វើពួកខ្ញុំមិនបានចាំទេខ្ញុំភ្លេច Est-ce que il est arrivé quelque chose à Tamang, chef de district de Pranetpra, ainsi qu'à Tahat, chef de district de Nomsrok, pendant que vous étiez sur le barrage de Trafinkman? ពេលនឹងគឺដំណាក់កាលដែលពួកអ្នកដែលចូលដល់ហើយគេថាហៅកិត្តរៀនសូត្រតែចំពោះរឿងអីផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹង Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire être convoqué à une séance d'études à l'époque? Est-ce que vous aviez compris ce que ça voulait dire? ពេលដែលអង្គការហៅទៅរៀនសូត្រគឺពិតជាយកទៅសម្លាប់ចោលហើយ Et qui était le secrétaire ou le chef de la région 5 à l'époque? Est-ce que vous en souvenez? Bah, nous payons Taval ban pour jom thach mo ta hung, chi pour thien dam ban pram. Hay sam rap kết cứ chen nhẹ krop krong chen lat dam ban pram. Est-ce que Ta Hung lui-même a-t-il été l'objet de purge à un moment donné? ត្រូវបានគេបោះសម្អាតទេជាកម្មវត្ថុនៃការបោះសម្អាតទេនៅពេលណាមួយនៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងឆ្នាំដែលខ្មែរអស់ឆ្នាំដែលពួក
ខ្ញុំមានមួយកងធំក្នុងបីកងធំគឺមានមួយកងធំនេះដីជុលមកដល់ភូមិភាគពាយ័ព្យបានប្រមាណជា3-4ខែស្រាប់តែឮបញ្ហាថាគេហៅតាហឹងហៅអីទៅរៀនសូត្រខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណេះ Et est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a remplacé Tahung au poste de secrétaire de la région 5? Est-ce que le nom de Tarin vous dit quelque chose? ដែលលោកស្គាល់ឈ្មោះតារិនដែលយើងមេនសិននេះដឹងថាគាត់ឈ្មោះអីទេ Est-ce que vous vous souvenez de la période durant laquelle ces purges ont eu lieu, c'est-à-dire qu'on a convoqué les cadres du Nord-Ouest à l'Institut et les cadres du Sud-Ouest les ont remplacés? Est-ce que vous vous souvenez de la période ou de l'année durant laquelle cela s'est passé? ពីភូមិភាគនិរតីមកជំនួសកម្មវិបាលភូមិភាគពីយប់ហ្នឹងលោកចាំពេលវេលានេះតើពីខែណាដល់ខែណាដែរដែលមានការបោះសម្អាតបែបហ្នឹង ចំពោះថ្ងៃខែខ្ញុំពំបានចាំទេក៏មិនតែក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1978ដែលភូមិភាគនេះដល់ជុលមកដល់ភូមិភាគពីយប់ Parce qu'à l'époque, vous étiez toujours sur le barrage de Trapikma. Est-ce que c'est plus gentil Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux femmes et aux enfants des cadres du Nord-Ouest, ដឹងតែរឿងភាគច្រើនគឺរឿងកងចល័តរបស់ខ្ញុំតែរឿងនៅសហករណ៍ឬរឿងនៅតាមតំបន់គឺខ្ញុំបាទពុំអាចដឹងទេ Est-ce que Taval lui-même a été arrêté et si oui, comment l'avez-vous appris? ពេលនោះបាត់ឈ្មោះតាវ៉ាល់ខ្ញុំស្រាប់តែឮឈ្មោះស្រីនៅក្នុងកងវរៈមិនមែនជាវរៈរបស់ខ្ញុំទេគេបានប្រាប់ថាតាវ៉ាល់អង្គការហៅទៅរៀនសូត្រហើយ Et d'après vous, est-ce que Tahung, Tamong, Tahat, Taval ont été tous arrêtés à peu près à la même période? រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគេបញ្ជូនទៅអង្គភិបាលថ្មមកធ្វើការនៅចំការកបាសរឿងគេចាប់ក្នុងមួយពេលតែមួយឬក៏ចាប់ក្រោយគ្នាមុនគ្នាខ្ញុំបាទពុំបានដឹងទេ
Bien, pouvez-vous nous dire si លោកអាចជម្រាបជូនផ្លាកាបានដែលជាថាតើខៅហើយថាបងនោះជាអ្នកទទួលបានតាយងអធិទេសរំលាសេបាទទីកានរបស់ស៊ីវេសកងវរៈសនាតូចនោះត្រូវបានជំនួសតាមបាទមកពីនិរដីហើយបើសិនជាត្រូវបានជំនួសពីខាងនិរដីមែនលោកអាចឲ្យឈ្មោះជំរាបឈ្មោះជូនផ្លាកាបានដែរឬទេអ្នកមកជំនួសនឹងឈ្មោះអីខ្លះពេលដែលនិរដីចូលមកដល់ជំនួសតាវ៉ាល់គឺដោយឈ្មោះតាពលហើយជំនួសរយៈសនាតូចដែលឈ្មោះតាវ៉ននិងតាខៅគឺឈ្មោះតានិននិងតាជេងដែលមកពីភូមិភាគនិរដី Et comment étaient les conditions de travail et de vie lorsque Paul a remplacé Taval Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des conditions de vie, conditions de travail et de la discipline? រឿងទាំងអស់នឹងបើខាងជីវភាពគឺដូចតែគ្នាហើយពេលនោះពួកនិរដីគឺរឹងរឹតតែតាមដានកម្មាភិបាលនៅភូមិភាគពាយ័ព្យហើយក៏មានចាប់ខ្លួនជាបណ្ដើរៗទៅដែរ Et quelles étaient les mesures qui étaient prises pour augmenter la surveillance et arrêter les gens? Quels étaient les moyens qui étaient utilisés par Tapol et puis vos chefs de bataillon à cette époque-là? គឺក៏ដូចជាពួកចាស់ដែរគឺទៅឲ្យយើងខំធ្វើការជូនអង្គការកងក្បត់អង្គការដូចគ្នា Mais pourquoi y avait-il plus d'arrestations? តើពួកអ្នកមកថ្មីហ្នឹងគេតឹងរឹងជាងអ្នកចាស់ឬក៏យ៉ាងណាពេលដំណាក់ការហ្នឹងតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដូចជាពួកអ្នករដីនេះសម្រាប់កម្មាភិបាលពីយឹបដូចជាមិនទុកចិត្តហើយក៏ដូចជាយ៉ាងមិនថាមិនត្រូវដែរព្រោះថាត្រឹមរយៈសនាតូចឡើងទៅគឺកម្មាភិបាលរបស់ភូមិភាគនៃរដីតាមដានជាប់រហូត Lorsque vous étiez toujours à Trappingtma, est-ce qu'il y a eu des chefs de bataillon, en particulier du bataillon numéro 2, qui ont essayé de s'échapper ou qui ont été purgés? តែមានករណីនឹងកើតឡើងទេបាទពេលហ្នឹងគេហៅឈ្មោះស្រេះឈ្មោះខ្ញុំបាទផងឯផងមកប្រជុំតែសម្រាប់យោធារបស់ភូមិភាគនិរដីគឺចាប់តែឈ្មោះស្រេះមួយទេក្រោយមកទៀតដល់វរៈ2ហ្នឹងឬតែចាប់ឈ្មោះស្រេះមានគ្នា 4-3 នាក់ក៏នាំគ្នារត់ចោលអង្គភាពមិនដឹងជាឈ្មោះទៅទិសខាងណា Vous avez dit devant le centre de documentation du Cambodge, document E3-9010, à la page 24 en français, 42 en khmer et 25 en anglais. Vous avez dit ceci. A vet a sre, a tun, a vei,
tous avaient essayé de s'échapper. Ils étaient tous les chefs de bataille. Question vous est posée, où travaillaient-ils? Vous avez répondu, au niveau du réservoir de Trapping Tmaa. Mais ils étaient dans le deuxième bataillon. Est-ce que ces quatre personnes venaient du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest? Vous avez répondu, au niveau du réservoir de Trapping Tmaa. Mais ils étaient dans le deuxième bataillon. មកឈ្មោះស្រះដែលយុធានៅភូមិភាគពាយ័ព្យចាប់ទៅហើយឈ្មោះវិទ្យឈ្មោះវុយមិនមែនវាយទេគឺឈ្មោះវុយឈ្មោះធួននឹងគឺជាភូមិពាយ័ព្យភូមិភាគពាយ័ព្យទាំងអស់អញ្ជើញលោកមេធាវីកុងសំអនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមឲ្យសារព្រេងញ៉ារងប្រាប់លេខ EON GPS Oui, j'ai donné les numéros de page. Je pense que cela suffit, à moins que la Chambre veuille absolument les IRN, ce qui nous prend plus de temps. En Khmer, c'était page 42. Alors, on a parlé des purges et du nombre de gens qui avaient été convoqués à des réunions et puis qui avaient disparu. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des tentatives de la part de certains cadres de la zone nord-ouest et en particulier de la région 5 de résister par la force aux purges qui était menée contre vous? Yes, thank you, Mr. President. There were a few earlier occasions that I wanted to object, but I just picked this particular example, and my objection is aimed at the word purge. If a witness uses the word in a general sense, I don't really have a problem with it. However, the prosecution uses this word to describe all kinds of actions, all kinds of events. This witness, I don't think, is in the position to say if something was a purge or whether something was an arrest or whether somebody was just called to for an education session. But the word purge in itself is a word only to be understood, I think, by people who were high-ranking enough to understand that it was a purge. I think on this level, this particular witness can only testify as to what he directly saw, directly experienced, whether it was a purge of the CPK as such. I don't think this witness is able to say so. So I think when we are dealing with witnesses on this level, we should be very factual and very accurate in the description in our questions. Just ask the witness what he saw, rather than having him say all kinds of general things about purges, which is again something that only which requires an intimate knowledge of the CPK, of what the reasons for a certain arrest were, etc. So the objection is concrete. Only use the word purge in very concrete, well-defined circumstances. Monsieur le Président, je demanderai, si possible, à la défense de faire des objections courtes, rapides, compréhensibles.
Maintenant, pour répondre à l'objection, c'est un terme qui est utilisé par les Khmer Rouges. Tout à l'heure, le témoin a bien précisé que lorsqu'on parlait de convocation à une session d'éducation, pour lui c'était clair, c'était pour être exécuté. Donc là, on joue sur les mots, je peux reformuler cette question. Est-ce que, monsieur le témoin, au sein des cadres de la zone du Nord-Ouest et du secteur 5, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de s'opposer aux arrestations des cadres de cette zone? Et quand je parle de s'opposer par exemple par une résistance armée pour ne pas être arrêté? ແລະໃດໄດ້ឬទេគឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺចង់សំដៅថាការរើបំរាស់ដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ខ្លួនតវ៉ាបាទតែលោកមានដឹងថាមានហេតុការណ៍នៃកើតឡើងទេពេលដំណាក់កាលនឹងគឺខ្ញុំពុំបានដឹងដល់ទេគ្រាន់តែថានេះដីពុនដីប្រជុំគឺប្រាប់ថាអោយយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយអង្គការជាមួយបកតែប៉ុណ្ណោះ Bien. J'en reviens au rôle de Taval quand il était encore là, qui était responsable de la brigade mobile régionale. Est-ce que sur le chantier de Trapping Khmer, est-ce qu'il était également responsable des autres travailleurs provenant des différents districts et donc des unités de coopératives? បាទនៅពេលហ្នឹងមកពីសហករណ៍ហ្នឹងគឺមានមេគេម្នាក់ម្នាក់រួចស្រេចមកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើចូលមកដល់ជីកអាងកំពៀងថ្មនេះគឺក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់តាវ៉ាល់ទាំងអស់ D'où était originaire Taval et où travaillait-il lorsque vous travaillez vous-même au barrage de Trapping Khmer? À quel endroit se trouvait, par exemple, son bureau? ពេលនោះខ្ញុំទៅនៅចំការកបាក៏ប៉ុន្តែតាវ៉ាល់គិតថាដឹងថាតាវ៉ាល់នេះជាភូមិភាគពេលយប់ហើយទីតាំងរបស់ពួកគាត់ពេលនៅជិតអង្គត្រៀងថ្មដែរដែលមាន រោងម៉ាស៊ីនចាស់មួយរោងម៉ាស៊ីនដូចឈ្មោះតាប៉ាតហើយគាត់ក៏ស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅ D'accord, je pense que vous avez fait référence à la plantation de coton. Est-ce que c'était celle de Tchoup et est-ce que c'était à cet endroit-là que Taval avait son bureau? តាវ៉ាល់គាត់មានមន្ទីរគាត់នៅក្នុងចំការកបាស់ហ្នឹងមែនទេបាទពេលដែលចាប់អង្គភាពថ្មគេបញ្ជូនអង្គភាពរបស់ខ្ញុំបាទមកចំការកបាស់កងវ៉ាពេលនោះអង្គការបានហៅឈ្មោះតាវ៉ាល់នេះទៅរៀនសូត្របាត់ទៅហើយ Vous dites qu'il avait son bureau tout près de Trapping Khmer. Est-ce qu'il venait souvent sur le chantier pour inspecter et venait-il pendant la journée ou pendant la nuit? Rien tant qu'année, mintiante, chuan cal, la khai, tao madang, chuan cal, pi bai khai, tao madang, kopn tay men pe klak ko nau yu chen tiet da kat ban tao muol kar than madang. Est-ce que les travailleurs se comportaient différemment quand Taval était en visite? Est-ce qu'ils avaient peur de lui? Bah, pendant que petit Paul Cotton,
មិនថារូបខ្ញុំមិនថាអ្នកណាទេអយទៅឃើញឬថាតាវ៉ាល់ទៅឬក៏ឃើញពេលនោះគឺទាំងអស់គ្នាគឺប្រឹងអបិសមត្ថភាពគិតតែខាងកាត់ដោយគ្មានអត់មើលគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ Est-ce que vous faisiez la même chose quand c'était son successeur qui visitait le chantier? Je crois que vous avez parlé d'un Ta Poal. Ta Poal, je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la Est-ce que vous aviez de bons rapports avec Taval? Est-ce que vous en étiez proche? Et si oui, comment cela se faisait-il? Quand on a eu le cas, que Taval a été fait pour le faire. Donc, je suis dit que Taval a été fait pour le faire. Je suis dit que Taval a été fait pour le faire. Je suis dit que Taval a été fait pour le faire. Je suis dit que Taval a Donc vous le rencontriez assez souvent, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous vous rendiez à son bureau pour prendre des instructions chez lui? បាទមានជាញឹកញាប់ប៉ុន្មានទេក៏តែការងារដូចជាទៅឆ្ងាយដូចជាទៅដកកងកម្លាំងពីភ្នំកូនខ្លែងមកអង្គត្រពាំងថ្មវិញគឺគិតបានប្រើខ្ញុំ Est-ce que vous assistiez également à des réunions que présidait Taval lorsque vous étiez à Trapping Thma? បាទពេលនឹងត្រឹមលំដាប់កងធំទូទាំងវរៈហើយនឹងប្រធានវរៈគឺបើមានផែនការណាផ្លែគឺតាវ៉ាល់តែងហៅទៅប្រជុំជានិច្ច Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Lankar avait demandé de surveiller au moins une personne par jour au sein de votre unité. Est-ce que c'était Taval qui vous l'avait demandé? ហើយនឹងកងវរៈថាមួយថ្ងៃគឺត្រូវតាមដានក្នុងកងនោះឲ្យបានមួយថ្ងៃម្នាក់តើអ្នកណាជានិស្សិតអ្នកណាជាបញ្ញវន្តអ្នកណាជាទាហានលន់នល់ Et quelles étaient les instructions de Taval une fois que un chef de compagnie, par exemple, avait pu identifier un ancien soldat de Lonnol ou un intellectuel? Que devait-il en faire à ce moment-là? Est-ce que le chef de compagnie avait également la possibilité,
selon les instructions de Taval, de décider lui-même de tuer les ennemis qui avaient été identifiés. D'accord, et dans ce cas-là, quand elle était emmenée exécutée, elle était exécutée par qui? Est-ce que vous savez qui était chargé de le faire? Ces gens armés, est-ce que c'était des miliciens ou des militaires? D'accord, mais là je vous parle de Trapping Tma. Quand un ennemi était identifié, un ancien soldat de Lon Nol par exemple, il était emmené pour être exécuté, vous avez dit. Donc, qui était chargé de les exécuter? C'était ma question. À Trapping Tma, pas dans la plantation de coton. I object to this question on the same grounds that I objected earlier to the question in relation to the targeting of former Lon Nol Republic officials. Now I haven't heard anything relating to Southwest Zone Cadres, although I'm not quite sure that has anything to do with anything this is clearly going to implementation of the policy at Trapping Tma, the dam worksite, and you have clearly ruled in your decision that implementation is limited to the four aforementioned work sites. So I object to this question. Je me pose formellement cette objection. On est bien dans le cadre de Trapping Tma. J'essaie de savoir ce qui arrivait à n'importe quel ennemi, que ce soit un ancien soldat de l'ONU, que ce soit quelqu'un qui ne voulait pas travailler, ou que ce soit un intellectuel, comme il l'a dit. Il s'agissait bien, dans ce cas-là, de gens du peuple nouveau, travailleurs, au sein de Trapping Tma. Les crimes qui ont été commis sur place, que cela vise les gens de l'ONU ou pas, dans ce cas-ci, c'est pertinent. Je voudrais savoir ce qui arrivait et où et qui exécutait ces personnes. Je pense que je peux poser cette question, Monsieur le Président. Bah, អញ្ញមរះបដិសេធនៅក្នុងជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីរបស់វេទកូពេអញ្ញពោះសំណួរនេះនៅជំនួសនេះមានការពាក់ព័ន្ធនៅអង្គហេតុដែលអញ្ញមរះកំពុងធ្វើសកម្មភាពហើយអញ្ញមរះត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយតបរបស់សាក់សីរូបនេះចំពោះសំណួរចុងក្រោយរបស់សាក់ប្រញ្ញារងអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយសាក់ប្រញ្ញារងអន្តរជាតិចុងក្រោយអីមិញនេះ Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'à Trapping Tma, Taval avait demandé, lors d'une réunion, que vous puissiez
les membres des compagnies, les chefs de compagnie, surveillent des membres de leur unité. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est lorsqu'un ennemi avait été identifié, vous avez dit qu'ils étaient exécutés par des bourreaux armés. Je voulais savoir à Trapping Thma si c'était des miliciens armés, par exemple du district, ou bien des soldats qui étaient chargés de ces exécutions. ពេលកងទ័ពនៅដីមិនទាន់មកដល់គឺតាហានរបស់ភូមិភាគពីយប់ណាដែលសម្លាប់ប្រជាជននៅនេះហើយដល់ពេលដែលនៅដីចូលមកដល់ពេលហ្នឹងភូមិភាគពីយប់ក៏បែបបានបែកខាត់បាក់គ្នាខ្លះមិនដឹងជាទៅណាហើយក៏ភូមិភាគនៅដីបន្តចាប់ប្រជាជនទាំងអស់នោះយកទៅបាញ់ចូលតាមកម្រិតរបស់គេទៅ Est-ce qu'il y a des gens qui ont été exécutés à l'emplacement ou autour du pont numéro 1 où vous étiez chargé de travailler? Je ne dis pas que c'est vous, évidemment. Je demande simplement s'il y avait des gens qui étaient jetés dans des fosses ou au pied du barrage ou du pont. នៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានឃើញពេលនោះក្នុងកងនោះមិនមែនជាកងរបស់ខ្ញុំទេគឺជាកងអ្នកនៅក្បែរនឹងដែរដែលយប់ដើម្បីសម្រុកនឹងគឺចំនួន 12 នាក់ឈឺហើយតាវ៉ាន់ក៏មានផែនការឲ្យដុតភ្លើងដុតឲ្យឆេះជ្រួចពន្លត់ចោលពន្លត់ចោលរួចឲ្យចាប់ដៃគ្នាដើរទៅបើអ្នកណាជៀនភ្លើងអ្នកនោះគឺពិតជាល្ងិតមែនពិតជាខ្វាក់មែនតែបើអ្នកណា ដែលមិនចិនភ្លើងអ្នកនោះគឺឈឺសតិអារម្មណ៍ដូចគ្នាក្នុងចំនួន12នាក់នោះគឺ Donc quand vous dites qu'ils ont réussi, ça veut dire que certains ont réussi à éviter de marcher sur les braises brûlantes du feu. Combien de personnes sur les 12 ont été exécutées pour ce motif? ក្នុងចំនួន12នាក់នឹងគឺ11ដែលកិច្ចភ្លើងហើយនៅតែម្នាក់ទេដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះដូច្នេះមានតែម្នាក់មួយដែលកិច្ចដូច្នេះតាវ៉ាន់អនុញ្ញាតឲ្យរស់ Est-ce qu'il y avait d'autres tests qui étaient menés pour déterminer si des gens étaient aveugles la nuit? Est-ce que par exemple vous avez entendu que Taval avait imaginé d'autres tests que celui des braises et du feu. Par exemple, des fosses. ក្រៅពីនឹងខ្ញុំដូចជាមិនដែលបានឃើញអីទេក្រៅពីការដែលដើរឲ្យដឹកមនុស្សដែលខ្វាក់មន់នេះឲ្យដើរជាន់ភ្លើង ខ្ញុំមិនដែលឃើញក៏ធ្វើអីទៀតទេ Est-ce que Taval était un cadre loyal au parti et à l'échelon supérieur, d'après ce que vous avez pu savoir, vous qui le connaissez un petit peu? ក្នុងសម្ដីរបស់គាត់ដែលប្រជុំប្រធានទាំងអស់ថាគាត់ស្មោះត្រង់នឹងបក
តស៊ូស្លាប់នោះជាមួយបកតែសម្រាប់ចិត្តគិតគឺខ្ញុំមិនអាចស្មានបានមិនអាចស្ទួងបានមិនដឹងជាគិតស្មោះត្រង់ឬយ៉ាងណាEst-ce qu'il était strict d'après ce que vous avez pu observer? On revient à la réunion à laquelle vous avez participé quand il vous a dit qu'il fallait surveiller au moins un membre de votre compagnie par jour. Pouvez-vous nous dire qui exactement assistait à cette réunion et est-ce que ce type d'instruction a été donné une seule fois à cette réunion ou bien plusieurs fois à plusieurs réunions ? បាទនៅពេលហ្នឹងគឺចាប់ពីប្រធានកងធំរហូតដល់ប្រធានវរិយអីគឺកិត្តប្រជុំតែម្ដងទេប្រជុំប្រាប់ឲ្យយើងចាំហើយតាមដានជាប្រចាំEst-ce que des chefs d'unité ont été punis parce qu'ils avaient écrasé des ennemisIls avaient préalablement identifié. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un chef de compagnie, par exemple, n'aimait pas quelqu'un et puis le dénonçait afin qu'il soit exécuté. Est-ce qu'il y a eu des punitions pour avoir dénoncé des gens alors qu'ils n'avaient rien fait ? Tha nèn nèn chi khmang ay chang tae tam pat kot mon men chi khmang te hai me kong samlap chao chang ke mien dak tonakam ay te leu me kong nung te pe nung pum mien te pro de sa me kong nung vi ot yu yul chat khnie kruan ta khnie tomneuh tik tuoj ko rie kong rie ka tau oy khang leu no tiet tha chmuh ko nung utihat tha chmuh ko ni pat chi te hien lon nol pat chi ni set panyavon pat chi kon neak mien nei tun sakade phum ហើយពេលយកមនុស្សទៅសម្ដាប់ចូលមានអង្គការក៏លើថាល្អអូខេល្អVous avez parlé donc d'exécution de ces personnes qui étaient identifiées au sein des compagnies et des bataillons. Vous avez parlé de l'exécution des 11 personnes qui n'avaient pas passé le test imaginé par Taval. À part ces exécutions-là, est-ce qu'il y a eu d'autres cas de gens qui ont disparu ou qui ont été exécutés à Trappingtma, selon ce que vous avez vu ou entendu ? ក្រៅពីតតែមកតន់ឆ្លើយតបខ្ញុំជិញលោកមេធាវីបិទកូពេ I'm not sure if we have established with this witness that the actual the executions actually took place ស្វែងយល់ថាតើពិតជាមានការសម្លាប់នៅឯការដ្ឋានទំនប់ទំពាំងថ្មឬក៏អត់នោះទេខ្ញុំលើសាក់សៃនិយាយថាគេនាំមនុស្សយកទៅសម្លាប់ចោលSo I think we first have to establish whether this witness actually saw with his own eyes. Lekin tim mu kim ko ta ta sak sai rup ni. Pot che ban khoei ka samlap nang doy ptoal phneik pot che khoei manuh slap doy ptoal phneik dai ru ko ot. Ba som anjei luk mithavi kong tamon. Ba som akon luk prathean khnyom som chomtoa chompuh samnuoh chong kroy ni che pises teatong te nang ka sanathan robos tamnang sapriyanya da tha មានគេយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងកងរបស់សាក់សីហើយកន្លងមកនេះគឺសាក់សីមិនដែលបាននិយាយថាមានការយកមនុស្សទៅសម្លាប់ក្នុងកងរបស់ខ្លួនទេគឺគាត់បានឃើញក្រុមអ្នកជិតខាងកងអ្នកជិតខាងដូច្នេះការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ទៅលើអង្គហេតុដែលមិនមែនជាសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេសូមអរគុណបាទNous sommes bien d'accord, Maître Kong Sam-on. Ce n'est pas ce que je voulais suggérer. Peut-être pour préciser, monsieur le témoin, vous avez parlé tout d'abord de ces 11 personnes qui avaient été exécutées après avoir raté le test. Est-ce que vous les avez vues être exécutées à l'emplacement du barrage autour du pont numéro 1, par exemple ? នៅពេលនឹងសម្រាប់អ្នក11អ្នកនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនមែនជាកងខ្ញុំទេគឺក្នុងវរៈ2ហើយពេលដែលយោធាគេចង់ថយគឺគេយកទៅសម្រាប់ចូលនឹងបាត់ទំនប់នឹងឯងរួចគេរែកដីកប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកឆាយដីអុយស្មើដូចឆាយដីទៅក៏ឃើញខ្មោចងាប់នៅនឹងទៅបានខ្ញុំថាពិតជាអា11អ្នកដែលតវ៉ាល់បញ្ឆោតឲ្យជន់ភ្លើងនឹងឯងពេលនេះខ្ញុំឃើញតែស្លាប់ហើយបាទតែត្រង់គេវាយផ្ទាល់ឬគេបាញ់ផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេបាទអរគុណហបរិញ្ញារងអន្តរជាតិបាទតំណការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មការលើកបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយតំណការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសកម្មការបន្តស្ដាប់សកម្មកម្មសាក់សីនិជុំផ្សេងសូមភាគីជ្រាបនិងអញ្ជើញចូលរួមតាមការវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំនះអរគុណលោកឈុំផ្សេងដែលដំណើរការសកម្មការស្ដាប់សកម្មកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំនះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សកម្មកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅឥឡូវនេះលោកអាចសម្រាកបានហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសនុំរួចជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកឈុំសេងត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងនៃគាត់ស្នាក់នៅវិញនិងសូមឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មការនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបាននៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកហើយអង្គជំនះក៏សូមអរគុណដែរចំពោះលោកមេធាវីដូចប៉ារីមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីអង្គជំនះក៏សូមអញ្ជើញលោកមកចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមសកម្មការក្នុងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីឈុំសេងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទនុនជានិងខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ